Donc j'en profite d'être là pour t'expliquer un petit peu mon état de santé et notamment ce qui se passe au niveau du genou. Voilà. Tu te souviens quand j'avais fait la vidéo où on était à Solliès-Vigne et qu'il fallait que je redescende pour que je puisse rejoindre Solliès-Toucard, je n'avais pas filmé pendant que je descendais parce que justement je voulais me concentrer pour pas dégringoler et me refaire mal au genou. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il y a 2 ans à peu près maintenant, ça fait presque 2 ans de ça, j'avais fait ce qui aurait dû être une balade et qui est devenu un grand parcours du combattant dans le sens où on n'avait pas été prévenu que l'itinéraire changeait. Voilà, c'était que quand on est arrivé, je dis bien on parce que je ne suis pas la seule à participer, quand on est arrivé sur place, on nous a dit « Ah, ben, l'itinéraire a changé, on n'ira pas par là, mais on ira de ce côté-là ». Et ce côté-là, c'était vraiment un chemin de randonnée et non plus un chemin pour balader. Voilà. Donc c'était totalement différent. Et puis pour moi, à cette époque-là, justement, ça faisait longtemps que je ne faisais plus de randonnée. Et je m'étais dit, un petit chemin pour balader, c'est vraiment idéal pour moi, pour me remettre dans le bain. Donc évidemment, qui dit grand chemin de randonnée, dit caillouteux, dit aussi que l'équilibre n'était pas encore tout à fait là. Et puis ce qui est arrivé, arriva. J'ai perdu l'équilibre, j'ai glissé. Je me suis retourné le genou, voilà, et j'ai terminé avec une déchirure des ligaments. Ce qui m'a immobilisé pendant 6 mois, j'avais des emplâtres médicamenteux à mettre sur le genou, je ne pouvais plus rien faire, je marchais avec une canne, enfin moi c'était la merde. J'ai eu une attelle pendant plusieurs mois. J'espère que tu me verras. J'ai eu une attelle pendant plusieurs mois. Et je ne pouvais absolument plus rien faire. Voilà, c'était... je sais plus comment tenir, je suis désolée. Si ça bouge, je ne sais plus comment tenir mon appareil, ça me fait mal au bras. Oui, donc je disais que... je suis restée comme ça, où je ne pouvais plus rien faire. J'ai eu des séances de kiné. Le médecin m'a dit clairement, non, c'est plus la peine de reprendre des randonnées ou des balades ou quoi que ce soit. Vous faites des trucs, mais vraiment, tranquillou, tranquillou. Voilà. Donc là je reprends un peu et il y a des choses que je ne peux pas encore faire parce que je sens que le genou il est encore un peu fragile et voilà quoi. Voilà, donc maintenant tu en sais un peu plus. Bye.